Mais pourquoi est-il difficile de communiquer une information? Parce que l'homme a inventé la parole pour éviter de dire ce qu'il pense vraiment. On arrange toujours ça, et on le sait. Ça commence d'ailleurs dès le matin, quand vous arrivez. Vous êtes arrivé ce matin, « Bonjour, ça va ?»« Oui, ça va, oui. Ça... Et toi, ça va ?»« Ça va pas, mais vous n'allez pas lui dire. » On va pas lui dire. De toute manière, on sait que ça ne l'intéresse pas. On ne va pas perdre du temps. La vie est une comédie. On a tous mis le masque aujourd'hui. Et encore plus complexe, ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose que l'autre l'a compris. Justement parce qu'on utilise trop de mots. Donc soyez précis, soyez concis. Trois mots clés. Pensez. Vous pensez que vous allez dire quelque chose. Ensuite, il y a le mot. Donc pensez, mot, action. Alors, que faites-vous avec des mains? Les classiques, la position du nudiste. Après, on a la position du fusilier, c'est pas mieux. Hein. Vos derniers volontaires avant que je tire. Mesdames, vous faites ça. Bonjour. Ah, elle s'est engueulée avec son mari. Hein. Et parfois, ça se gâte. Hein. Ouh, il y a du divorce dans l'air. Hein. Après, mesdames, vous faites ça aussi. Hein. Quelqu'un m'a dit, c'est le syndrome de la vaisselle. Je n'ai pas dans les détails. Les hommes, c'est pas mieux, c'est hop là, le pantalon, hop là. Et puis on a souvent ça, monsieur le directeur, bonjour à tous et à toutes, et hop, on sautille un tout petit peu. Alors quand vous sautillez, oh là là, on a vu que ça, et on se tape dans les mains comme si on va se lancer en quelque sorte, hop, je vais plonger. Bon, bonjour, aujourd'hui, que faire avec les mains? Ah, on a Mr. Cool aussi, une main dans la poche, il se balade. Il parle à la moquette. Très jolie moquette. Hein. C'est mieux que le barcode qu'ils ont mis par terre. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. De temps en temps, il regarde l'écran. De temps en temps, il regarde le public. En fait, il a perdu 5 euros. J'ai perdu. C'est pas grave. On a Mr. Super Cool. Les deux mains dans les poches. Bon, j'ai une présentation à faire. Hein. C'est pas grave. Et parfois, on oublie les mains. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi avec les mains? Bizarre. Ne faites pas des gestes de manière nerveuse. Vous voyez, comme quelqu'un que l'on connaît, travaillez plus pour gagner plus. Je donne le geste, je reprends le geste. Je donne le geste, je reprends le geste. Je donne, je prends. Le geste, c'est à moi. Hein. Quand vous avez une quantité, première famille de gestes, vous allez faire le quantitatif. C'est là que je vais puiser. Yesterday, when all my troubles seem so far away. Today, tomorrow. Quantitatif, c'est les bras et les mains parallèles. La main aussi peut être parallèle au sol. Petit, moyen, grand. Et là, c'est on ne peut plus clair. Donc, si vous arrivez pour votre introduction, 37% des patients type 2 diabète sont non-observants. 37%, c'est énorme. Pourquoi? Et vous voyez, pensée, mot, geste. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre. Pas trop de gestes, on ne va pas faire des gestes avec chaque mot. Donc c'est vraiment, c'est vous, c'est votre personnalité, il ne faut pas se dénaturer en fait. Maintenant pour le détail, il suffit d'utiliser les doigts. Voici venir notre deuxième famille. Le déictique va utiliser les doigts. Et alors là, vous allez vous amuser ce soir, parce que ce geste-là, c'est un de mes préférés. Tous les hommes politiques, les femmes politiques, quand ils veulent parfois faire passer quelque chose qui n'est pas tout à fait hein, ce que l'on prétend, c'est ce geste, le geste de la vérité. Très puissante. S'il vous plaît, je ne sais pas d'où viennent vos chiffres. Hein. Je vous ai laissé parler. Je vous ai laissé parler. Merci. Le vrai chiffre, c'est... Le vrai chiffre, c'est 76%. Les gens, il ne peut pas mentir. Mais si, si. Alors, regardez, vous pouvez, avec ce geste, c'est magnifique ce geste, hein, je l'utilise très fréquemment, vous pouvez faire le chef d'orchestre.
on ne changera rien. On ne changera rien sur ce contrat. Et je les explose, pouf, à la fin. Les gens, oh, et là, on ne changera rien. On ne changera rien sur ce contrat. Il a fallu un temps fou pour arriver à un accord. Et là, même pas besoin de finir la phrase. Alors, regardez son geste. On ne changera rien sur ce contrat. Il a fallu un temps fou pour arriver à... On sent que c'est négociable. Pointé. Monsieur Colina. Alors, lui, il vient de prendre sa retraite. C'est un arbitre de football hors pair, un Italien. Très... Lui, il pouvait contrôler un match. Mais je ne vais pas pointer comme ça. J'adore les passionnés. Je pointe, je fais comme Obama. Je souris. J'adore les passionnés. En fait, je suis en train de le fusiller. J'adore les passionnés. Il faut l'isoler. Hein. Et les gens, ils vont le regarder. Le public n'aime pas quand vous perdez le contrôle. Voilà ce que je propose. Et là, je tourne la main. Voilà ce que je propose. Venez me voir après la présentation, parce qu'il y a d'autres présentateurs derrière moi. Il y a Olivier Grison qui va parler. On va se bagarrer sur ce point de détail. D'accord? Et là, je m'éloigne. Pff, il est mort. Alors, je vous garantis, s'il intervient à nouveau, il y a quelqu'un dans la salle. Hé, oh, oh, oh. Le monsieur a dit après, hein, parce que nous, ça nous... Et vous ne faites rien. Faites rien. C'est le carton rouge. Vous avez vu Obama, il arrive sur scène comme ça devant 5000 personnes et tout d'un coup, il a vu personne. Hein. Le gars qui est là, il fait... C'est quoi ce truc? Mais ça le rend sympathique. Les bons orateurs savent que si le public vous aime bien, ils écoutent mieux. S'ils écoutent mieux, il se passe quelque chose sur le terrain. C'est toujours dans cette optique-là. On écoute mieux quelqu'un qu'on aime bien. Et vous allez trouver, vous allez vous rendre sympathique en maîtrisant ces outils. Ce sont des outils, des techniques. Hein. J'ai vu ça même dans un livre, il faut scanner votre public. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vais regarder tout le monde. Pensez à deux lettres. D'abord, lettre W, vous allez regarder là, et vous allez leur dire quelque chose. Donc maintenant, le public voit quelqu'un avec le regard qui est posé. Et après, vous allez venir là, là, là et là, et vous avez couvert la salle. Donc à un moment, il faut l'inverser, et la lettre M va venir remplir les trous. W et M, c'est ce que je fais depuis le début de ma présentation. C'est simple. Si vous bougez en parlant, ça vous fait du bien, mais pas le public, ça peut diluer la puissance de ce que vous dites. Et si vous êtes stable, ce que vous allez dire va monter en puissance. Donc je ne me balade pas sur une scène. Je bouge pour une raison. Un pas, deux pas, je me pose. Et là, je suis avec les personnes qui sont installées ici. Et rien ne m'empêche de pivoter. Vous voyez, j'ai juste pivoté avec les pieds. Les deux pieds sont face aux personnes qui sont installées, juste devant. Un pas, deux pas, hop, et je peux connecter avec les personnes qui sont même très loin, sur le côté ici. N'êtes pas trop solitaire là-bas, tout va bien. On arrive à connecter. J'ai appris beaucoup de gestes que j'ignorais devant un miroir. David, je vais t'expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait trois choses. Premièrement, j'ai fait trois choses. Je fais de l'autre côté. Je réveille le côté dormant de ma gestuelle. On a tous un côté, si vous êtes droitier, vous avez tendance à mener avec un côté du corps, un peu comme le tennisman. Il va jouer d'un côté. Et pour le public, le ressenti peut être un déséquilibre. Il y a beaucoup de déséquilibrés sur scène, hein, ça c'est vrai. Donc pour donner cette impression, il faut autant de gestes d'un côté que de l'autre. N'essayez pas de tout appliquer tout de suite dans la prochaine présentation. Sinon, c'est un peu comme Zorro avec le chapeau, le masque, le cap. Vous allez rater le cheval. Donc là, la prochaine, ça va être bon. J'essaie mes gestes. Hein, je sais. En tous les cas, merci beaucoup et tous mes vœux de réussite pour vos prochaines présentations. Merci.